Conseil numéro 5. Puiser de l'énergie dans la défaite. Le côté négatif, c'est la déception de la défaite. Et elle est tout à fait logique. Et la blessure que cela provoque vous fait mal et c'est bien normal. Si une défaite ne vous fait aucun mal, c'est que vous n'avez que très peu de chances de vous améliorer. Mais il faut analyser les choses objectivement. La différence entre les battants qui gagnent et les gens qui perdent, ce n'est pas que les personnes qui gagnent n'ont jamais connu de défaite, non, pas du tout. C'est qu'ils ont su analyser de façon très objective leur performance, en étant durs avec eux-mêmes. Et ensuite, ils ont puisé de l'énergie dans la défaite pour corriger leurs défauts. Et c'est là que le battant sait revenir encore plus fort. Comme lui, puisez votre énergie dans la défaite et battez-vous.